De là où le vent est stationnaire et un gros grain qui arrive par l'ouest, on va le voir d'ici peu. Regardez-moi ce truc triangulaire qui arrive là. Donc de la pluie, des gros grains, c'est assez impressionnant. Une température extérieure qui est relevée assez douce à 14 degrés, une température de l'eau à 14 degrés, une marée qui monte, le plein haut est à 15h20, les coefficients 63. Sur ce montant, le vent est onshore, ouest. Il est établi fort, quoi. Il y a 6 à 7 beaux-forts, il y a du 20 nœuds établi et des rafales qui montent à 27, 28, 29 nœuds en fonction des grains. Donc c'est complètement en vrac, les ouillas sont couchés, le sable vole, les mouettes passent une sale journée, les poubelles aussi. Et on a une houle qui est à le long avec en seconde période orientée ouest à ouest-sud-ouest, complètement en vrac, qui est stationnaire en taille. Il y a 3 mètres en déferlement régulier sur les séries. 3,50 à 4 mètres, c'est couché, c'est tordu, c'est pourri, c'est pas joli, c'est impraticable pour le reste de la journée, ça va rester comme ça. La bouée arcachon est stationnaire avec du 6 mètres et 9 secondes. On attend à 13h 3 à 4 mètres, ou l'ouest à ouest-sud-ouest en seconde période, mais avec un vent d'ouest qui devrait déjà se calmer pour être soutenu dans les 4-5 beaux-forts. Et à 17h 3 à 4 mètres, ou l'ouest à ouest-sud-ouest 12 secondes de période avec un vent ouest-nord-ouest 3 à 4 beaux-forts, du surf et de l'action qui sera pas praticable. Et j'espère que le grain passera sans faire trop de dégâts. Regardez-moi cette masse triangulaire, c'est assez impressionnant. Allez, bonne journée, on remet ça demain. Merci.